Donc, a difficult game about climbing parle d'un homme qui grimpe avec ses bras. Vous le voyez, il est là. Moi, il est dans l'eau, il est dans sa piscine. Là, il est bien. Il est bien. Il nage. Oh là là. Il nage. Et donc, vous pouvez contrôler un bras et un autre bras. Oh, j'ai déjà le... déjà le Vietnam flashback. Et donc, vous devez monter. Voilà. C'est littéralement tout. C'est tout. Alors oui, il nage... voilà. Il n'a pas usage de ses jambes, le pauvre Michel, c'est son nom. Toujours pas eu Michel, il est là. Il n'a pas usage de... Ah oui, puis Uno, elle est vraiment... Elle est dans le... Le glacier. Ah là, moi, je suis plus du tout dans les bains thermiques, là. Là, Michel, à mon avis, se pèle les burnes, genre vraiment, là, et se recroqueville, là. Ouais, elle est un peu fraîche, mais ça va, c'est encore OK. Donc, santé, vous avez le multi-twitch si vous voulez voir les deux points de vue. Oui, parce qu'en plus, on n'est pas au même endroit, donc c'est deux choses différentes, là, deux gameplays OMG. C'est le même jeu, mais attends, je peux utiliser donc espace. Oh là, pour... Marie, j'ai des traumas. Tu as déjà le Vietnam flashback. Alors. Ah oui, ça, c'est vrai, c'est espace. Ah oui, espace pour sauter. Ah oui, tu as pas rejoué depuis? Non, bah non, non. Alors, okay, attends, okay. Parce qu'il faut se réhabituer. Oh là là. Ah d'accord, très bien, c'est faux donc. Oh, putain. Ok. J'enlève la bague là, hop, voilà. Alors, et donc le principe est donc évidemment d'aller plus haut. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Fort boyard. Voilà. Attends, donc les vertes... D'accord, les vertes sont fausses. Aïe, aïe, aïe. Ouais, les prises vertes, c'est de la merde. Toutes les vertes? Fort bien. Ok. Et donc, on peut voir que le Michel, il fait des mouvements un peu improbables avec son poignet. Mais ça, c'est Michel. Hein. Il est comme ça. Aïe, aïe. Donc voilà, hein. Une belle parenthèse. Belle parenthèse sur Difficult Game About Climbing. Incroyable. Un jeu incroyable. Difficile. Est-ce que celle-ci est fausse? Ouais. Ok, toutes les vertes sont fausses. Incroyable quand même ce qui se déroule. Tu ne peux pas poser alors tes pieds, non, c'est le principe escalade, du jeu, là. Effectivement. Moi, là, je suis sur le mur d'escalade. Et du coup, okay. J'en suis au haut du mur d'escalade. Et du coup, j'essaye d'agripper quelque chose, mais j'ai peur de devoir faire un mini saut. Je pense que... Ah, mais toi, tu glisses sur un glacier. Je n'ai pour l'instant... aucune progression. Mais c'est pas grave. C'est le temps que ça revienne. Bien sûr. C'est le temps que ça revienne, d'accord? Parce bien que sûr. J'ai quand même beaucoup acquis d'expérience en l'espace de 3 heures à passer au même endroit. C'est vrai. Alors, attends. Maintenant que j'ai l'expérience, finalement... Je pense que je ne peux pas atteindre ceci sans sauter. Tout devrait bien se passer. Que peut-il mal se passer? Je suis obligée de sauter, hein. Okay. Ah ouais, alors attends, si je fais ça en fait... Alors. Ouais, on est d'accord que vraiment la glace, il n'y a aucun monde où je m'accroche à la glace, quoi. Je pense que tu glisses. Je là, glisse le... complètement, oh Mario. Ok, très bien. Ben, en parlant de glisser, j'ai glissé sur le toboggan. Parfait, super. Ça va, ça rafraîchit les idées. On a besoin de se remettre dans le jeu, voilà, les idées totalement sont rafraîchies. Okay, okay. Ah, je vais prendre une gorgée quand je tombe, vous savez quoi, santé. Oh putain, non, alors ça c'est une très mauvaise idée. Ça c'est des calls dangereux, Marie. On a dit une petite heure de guide. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, on tombe pas souvent, non? Non, jamais. Je sais jamais. Pas faire. J'ai tellement appris à faire le saut dans l'autre sens que je sais pas le faire dans ce sens-là. Putain, faut que je m'entraîne. Okay, en vrai, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Attends. Il y avait un saut que j'ai réussi à faire direct. Et en fait, il est compliqué. Ouais. Alors que je l'avais fait en une fois. Je suis un peu outrée, tu vois. Mais c'est terrible. Aïe, aïe, aïe. Là, je pense à la rediff et Yuno qui est en train de regarder pour la rediff ou couper pour que ce soit un début de rediff potable. Si jamais, ça a été sûrement coupé avant. Du coup, bonjour à la rediff. Difficult game about climbing, parenthèse, bienvenue, hein. Tout ça, il n'y a pas eu de transition, vraiment juste on a lancé le jeu, mais comme des salles. Hein. Vraiment en mode. J'avoue, allez. C'est vrai que ouais, c'était l'heure du gameplay. Alors, je dois boire.
Santé. Santé, hein. Allez. Mmh. Bon, j'ai un saut à faire, Marie. Je vais y arriver. Hein. Y a un moment... Bien sûr. À un moment, je... Voilà. Attends, c'est comment... C'est quoi l'idée, déjà? L'idée du jeu, c'est de grimper. Oui, oui, non, mais... Quand j'appuie là-dessus... Attends, comment je... Attends. Ouais, c'est plutôt ça, plutôt ça. Non, mais par contre, les cailloux sont vraiment à l'autre bout du monde de mon côté, Marie. J'ai... Ah, mais... Moi, je suis pas prête, hein. Moi, je suis là sur mon mur d'escalade, qui est déjà compliqué. Aïe. Attends, c'est ok, non, ça c'est ok, pas, tu ça. Vas maîtriser, tu vas maîtriser. Le mur d'escalade, qui était ton ennemi oh il y a... Oh, j'étais presque sa mère. Il y a 8 heures. Non. Aïe, je pense aïe, pas aïe. Autant, en vrai. C'est une rediff. Ouais, c'est une rediff, ouais. C'est une comment ça va dans le futur? Comment vont les personnes du futur? Moi, j'aime bien le passé. Hein. Non, c'est faux. Je déteste le passé. Fuck le passé. Faut vivre dans le présent. Aïe, aïe, aïe. Du gameplay oh, avant 20h50, c'est vrai, en plus. C'est vrai, ça. Ça hein. N'arrive pas souvent, ça. Alors, attends. Ça, je l'avais fait direct. Oh, yes. Je me balance. Il va passer. Hein. S'il va y avoir une prédiction, okay. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme prédiction? Est-ce que j'arrive à faire ce saut? Genre déjà. Déjà ça? Déjà ce saut, là? Est-ce que j'y arrive? Est-ce que finalement j'y arrive? Marie, tu peux l'attraper, tu peux, je te jure, tu peux. T'es sûre? Attrape le cercle. Oui, t'as pas besoin de sauter, vraiment, tu peux. Tu tends ton bras, il fait non, juste que t'es un bon... Il a glissé. Il a glissé, j'avais toujours le clic... Aïe, terrible. Il y a un monde où en faisant comme ça, ça passe, vous pensez? Attends, je vais essayer une... J'ai une strat. Je vais appeler la strat de la panique, d'ailleurs. Voilà. Marie arrive au prochain checkpoint avant la fin du stream. Non, mais attends, mais il lâche tout seul. Les... Aïe. Il lâche tout seul. Avant la fin du stream, prochain checkpoint, ça dépend. On m'a parlé d'une poutre. Voilà. Moi, j'ai passé ce premier saut, là, avant 21h. Voilà ma prédit. C'est un saut, maintenant. J'ai revu à la baisse mes ambitions de prédit. J'ai revu à la baisse. Oh, aïe. Oh, putain, je suis mort. Merci beaucoup. Merci Alexandra pour le resub. Magnifique. Merci pour les 51 mois. Peut-être un balançard avec les deux en vrai. Alors. Il n'y a rien qui va dans ce mouvement. Mais c'est ça le pire, c'est les mouvements du monsieur. C'est... Hop là. La tendinite à chaque mouvement. C'est magnifique. Oui. Aïe. Mais comment je suis censée aller en plus tard, d'aller loin, aller sur l'occasion, c'était trop drôle. Genre vraiment. Ou alors faut que je parte de l'autre caillou. Peut-être je dois partir de là. Mais si je dois partir de là, au secours, Marie. Marie. You know. Je sais... Marie, qu'est-ce qu'on fait là? Bah écoute, je pense qu'on boit un coup là. Oui, c'est vrai, c'est une très bonne idée. Allez. Santé. Très bonne idée. Allez. Putain. Je vais essayer en vrai. Je vais boire un coup sur deux où je tombe en fait. Sinon mon verre va être vide. Avant la fin, je vais devoir chercher le troisième verre sinon. Parce que là, ce maudit... Oh le troisième verre. Cette maudite prise bleue là. Mais non mais je... Vous regrettez pas d'avoir choisi ce jeu? Pas du tout. Non, on passe un bon moment. Pourquoi vous dites ça là? On est en pleine progression, vous voyez pas comment? Oui, bah, je passe un super moment et toi, Marie? Genre, on est bien là sur ce jeu, vous vous sentez pas relaxé, détendu? Vous voyez Exactement. Pas qu'on avance bien? On a une progression folle depuis le début qu'on est arrivé ici. Exactement, d'ailleurs. Et puis en plus, on peut continuer à parler comme la parenthèse. Que penses-tu de la mort, Yuno, et des araignées? Oh pardon! Ok, annulation de la prédit du coup, je l'ai fait avant la fin, merde!
Non mais je vais arrêter de lui poser des questions. Elle est très réceptive aux questions. Elle oui. Bah oui du coup. Qu'est-ce qui était la question? Je non mais est-ce que tu pensais de la mort et je crois que t'as eu peur de la question là. Clairement. Oh my god. Ok. Ok. Oh. Du coup. Oui. Du coup, la mort. La mort. Oui. Tout va bien. Il est 20h50. Tu as réussi le saut. Il est 20h50. J'ai réussi le saut. Il est 20h50. Oui, vas-y. Alors, le cerceau, tu veux un tips? Ouais. Tu restes accroché les deux. Ouais. Et tu te balances de droite à gauche. Ou alors même, tu peux laisser juste le bras gauche accroché. Genre vers le bas du cerceau. Et tu te balances de gauche à droite. Et dès que t'es au niveau des branches, tu pourras attraper avec ton bras droit. Les branches qui sont à ta droite, là. L'arbre un peu automnal. Oui. Joyeux 20h50 à tous. Tu peux le faire, Marie, tu peux le faire. Je peux le faire. Joyeux 20h50, vous avez survécu une nouvelle semaine. Félicitations à tous. Félicitations à tous. Ça glisse. Marie, je sais pas où je vais. Je veux pas retomber, là, s'il vous plaît. T'es trop dur ce soir. Yuno, tu es sûr? Je suis en train de charger mon... Je te jure, tu continues de gauche à droite jusqu'à ce que... Encore? Jusqu'à ce que ça l'atteinte. Tu sais pas ce que... À mon avis, il faut... Voilà. Ouais. Nickel. Tu peux y aller. Maintenant, lâche et accroche-toi. Oh my god. On s'accroche... Alors, à mon avis... Aux branches ou aux fleurs? Attends, mais je dois encore sauter, là? Non, Marie, j'en ai marre. J'en ai marre de sauter. Arrêtez de me faire sauter! Oh là! Il y a un gouvernail, Yuno. Oui, alors... c'est logique, Marie. Le gouvernail, moi, j'ai galéré, et après, en fait, c'est logique. Il faut avoir une strat, c'est-à-dire qu'il tourne. Alors déjà, il faut que je l'atteigne. Déjà, vas-y, doucement, tu peux le faire. Titre, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'arrête de sauter, oui. Ah, mais attends, ok, je peux m'a... Ok. Je peux m'accrocher. Ça, c'est là, je les ai fait. Je les ai fait 800 fois, ceux-là. Marie, je les ai fait 800 fois pendant... dans l'autre endroit, là. Oh ok, I got it. Voilà, je vais où? Oh! Je suis où, maintenant? Je ne suis pas sûre. Attends. Je vais où, maintenant? Je vais là-bas? Oh non, j'en ai marre. Faut encore que je saute. Attends, je vais essayer de descendre un peu, là. Faut que j'aille là-bas, là. Marie, j'en peux plus, je sais pas où je vais. Je peux non plus, Yuno. J'ai un problème avec le gouvernail. J'essaye d'atteindre le mât. Je ne l'ai... Attends. Alors. Je te vois. Veux-tu une indication? Est-ce que c'est vers la flèche bleue? Surtout pas. D'accord. L'indication est que, voilà, tourner n'est pas la bonne stratégie. Ah! Essayer de se balancer n'est pas la bonne stratégie. Je suis retombée, Marie, je vais faire un pipi pour fêter ça. Voilà. Super! Super! Attends. C'est nerveux, les gars, c'est terrible. Je suis censée monter. Attends! Pas bouger. Non. Doucement. Doucement. Attends, faut que je fasse vite, je suis sûre. Ah ! Non, pas du tout. J'ai un doute. Non ! J'ai failli tomber. Oh bordel. Oh bordel. Oh! Non, c'est pas ça. Ah! Non! Non! Je... Oh là, oh Michel, ça doit faire mal, ça. Attends. Non, mais c'est pas par là. C'est pas ça. C'est pas ça. Oui, rebonjour! You know. Oui.
Alors, le gouvernail, le gouvernail. C'est-à-dire que j'accroche et je... Non, je retombe. Oui. J'accroche et je retombe. Alors, veux-tu une technique ? Tu dois aller sur le mât ? Hein ? Tu dois aller sur le mât ? Non, tu... non, non. Ah bon ? Bien, tu es sur le gouvernail. Ouais. Tu dois attraper effectivement la voile. Ah oui, donc le mât, oui. Oui. Oui, pardon. Mais pour ceci, en fait, plutôt que de... Là, tu vois, t'es sur ton bras gauche. Tu vas donc lancer ton bras droit et attraper de manière... L'idéal, c'est que t'attrapes vraiment celui qui est en face. Genre en alignement, évidemment, pour l'équilibre. Tu vois ? Ok. Mais alors, et en fait, le tout, c'est de faire le mouvement. Genre, t'attrapes et après, tu vois, tu laisses tes deux mains accrochées pendant un instant, le temps de stabiliser ton équilibre. Et après, une fois que t'es stabilisé seulement, tu retires sur ton autre bras, tu vois ? Mais de stabiliser ton équilibre, genre un bras en bas, un bras en haut. Pas comme ça, genre l'inverse, un bras en bas, un bras en haut. Tu vois ? Attends. Ouais, alors attends. Attends. Mais je vois où tu veux en venir. Attends, mais oui, je vois. Ok. Ok. Ok, et après, bon, tu vois la technique ? Je et vois. Et en fait, une fois que tu trouves un équilibre, bah, faut vraiment que tu pousses au bon moment, mais au bon timing, tu vois. J'ai l'impression d'être le monsieur qui empile les cailloux avec la force des cailloux. C'est parce que la terre est plate, Marie, tu peux le faire. Oh non ! Oh waouh ! Mais vois-tu la technique ? Je vois la technique. Tu vas gérer. Non, je finis pas le saut avant la prédit, pardon. Déjà pour que je refasse celui-là, va falloir y aller. Hein. Putain. Le second, ouais, le second saut. Pas celui-là, celui où je suis tombée avant. Le dernier où je suis tombée. Pardon. Excuse-moi, je me suis pas mute. Non, t'inquiète. Tu as raison. Oh là là. J'ai fait une nouvelle chute, j'ai un nouvel objectif, j'ai un nouveau saut de merde maintenant. Non. Non, non. Non, non. Non, de l'autre côté. Non. Ok. Je peux mettre comme ça. Avec non. Salsa Américo dans les oreilles, Marie. C'est comment... parfait. On ne peut être que détendu. Oh putain, non, mais là, fais un effort, frérot. Non. Détendu. Je me sens calme. Oh, oui. Oui. GG. Incroyable. Ah, faut que je lâche plutôt. Ok. Vas-y, Marie, continue. Il y a des... Bill Bokeh, ça s'appelle ça ? Ouais, ouais. Je sais pas. Faut que tu les attrapes. Attends. J'ai peur. Je bois une gorgée pour célébrer. C'est vrai. Il faut célébrer chaque petite victoire là. Ok. Non. Et si je passe par là, là ? Est-ce que je peux ? Ça se trouve, il y a plus facile, hein. Donc je voulais essayer. Hein. Déjà, faut réussir le premier. Ça va. Ok. Je sais. Attends. Oh, quoi ? Ok. Il fait des tractions, Michel. Ah ! Ok. Ok. Alors ! Nous avons une ligne électrique. Avec à droite... Qu'est-ce qu'il a pris ? Rien du tout. Oui. Et donc à gauche... Ah, vas-y. Nous avons des baskets. Ok. Vraiment histoire de dire qu'il y a des baskets. Hein. Attends. Oh ! Je vois une poutre, you know. Ah, dis donc, c'est fou, ça. Est-ce donc la fameuse ? Mais elle est à gauche. Attends, mais déjà, mais comment je... Attends. Combien de temps t'es resté sur cette poutre ?
En fait, à un moment, je suis tombée, mais je pense que je suis bien tout cumulé, resté 40 minutes. Putain. 40 minutes ? Mais en vrai, c'est ok, parce que moi, je pourrais te donner le timing. Moi, il a fallu que je trouve le timing, tu vois. Ok. Déjà, analyse la situation, Marie. J'analyse la situation. J'ai pas trop de backseat, c'est ok. Non, non, bien sûr, bien sûr. Ok, la corde. Oh, putain. Ok. Ça va le faire, hein. Je vais le passer, ce saut de merde, je vous le dis, moi. Je vais le passer. Je l'ai passé une fois, je vais le repasser. Comme il faut repasser les vêtements, d'ailleurs, pour qu'ils ne soient pas pareils. Pareils, évidemment. Mais est-ce que tu as ce problème aussi ? Non, pas du tout, il n'y a oui. que moi. Bah en fait, j'ai jamais fait vraiment gaffe. Mais maintenant que tu le dis, oui, effectivement. Ah, moi, mais... Ils sont plus toute solides, ma quoi. Vie, quand j'ai... Quand j'étais chez ma mère et qu'elle lavait mes jeans, quand je mettais mes jeans, c'était des jeans. Moi, quand je lave mes jeans et que je remets mon jean après qu'il soit lavé, j'enfile du carton. Ah oui. Vraiment un carton oh, Amazon. Non, hein. Bien, pas, bien, ouais. Voilà. Mais une non, fois qu'il est sur mes jambes, il se déplie, même, hein. Tout ça, machin, et tout va bien. Mais, attends. Alors, là, je dois faire un speedrun. Speedrun into... Attends. Non, putain. Oh, bordel. J'ai déjà mal au... Ok. C'est maintenant que je passe ce saut. Ah, putain ! C'était fou, ça. Marie ? Ah, Marie, je... Marie. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie ? Marie ? Ce qui est très drôle entre moi et Yuno, c'est que Yuno, elle met déjà du temps à passer les épreuves, mais alors moi, je mets tellement plus de temps. Mais je pense qu'il faudra que j'essaie avec la manette. J'ai déjà mal au poignet, c'est pas possible. Hein. Je suis vraiment une grand-mère. Hein. Oh là, je m'excuse bien évidemment profondément à toute la communauté qui me regarde et espère de grandes choses. Mais tu peux le faire enfin! Bien sûr! Évidemment. Une poutre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'une Qu'est-ce poutre, qu'une poutre? Finalement. Déjà le mur d'escalade, Marie. Mm-hmm. Aïe aïe! Ok, qu'est-ce faut que je me mette. Qu'est-ce qu'un pont suspendu ? Peut-être que je devrais mettre un chouïa plus haut, en vrai. Même si c'est plus loin. Ah ! Rah ! Pardon, j'ai des petits grognements à partir d'un certain stade. Bien sûr. D'être au même endroit. Ça fait partie des signes avant-coureurs de rage. Bien sûr. Oh, ah. Nico ! Voilà. Nico, je vous le dis. Putain, attends, j'étais sur la glace et j'ai quand même pu me rattraper. Là, par contre, je l'avais. Je suis profondément déçue. Attends. Profondément désappointée. Ah ouais ? Mm-hmm. Mm-hmm. Je veux t'as manqué de respect. C'est-à-dire que ma main... Pardon. Ouais. Je comprends que ma main puisse faire peur, mais c'est ok. C'est ok. C'est juste ma main, you know. Tout va bien. Oui, 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 non, pardon, pardon. Du coup, voilà. Oui, ta main, du coup. Ma main avait atteint le voilà la prise bleue et pourtant oui, bien sûr. Le jeu a dit que je ne l'avais pas atteint. C'est vrai ? Tu te rends compte ? C'est tragique. C'est quand même scandaleux. C'est rembourser scandaleux le jeu. Je vous demande remboursement là. Rendez-nous la prise bleue. Aïe, hashtag aïe. Je suis la prise bleue bien sûr. Bien sûr. Ok ok j'ai déjà fait ce saut. Je l'ai déjà fait et je l'ai déjà réussi. Il n'y a pas de raison. Elle est revenue au début. Elle est revenue au début. Aïe, 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 c'est beau. Non, mais c'était même pas celui-là qu'il fallait passer. Non, mais c'est pas grave. Ah, maintenant, ça y est, j'ai tout compris. Je vais first try. J'ai déjà mal au poignet. Mais non, mais c'est pas possible. Je tombe en ruine. J'ai 90 balais. Mais c'est pas possible. Le troisième âge. Non mais, c'est pas possible. J'ai compris, ça y est. Enfin, mais alors c'est jeu, il y a 20 minutes. Il faut que je set up la manette. Hein. Il n'y a que ça. Hein. Oh là. Il n'y a que ça. Oh, yes. Oh la manette. Merci beaucoup pour le resub. J'espère que tout va bien, ma belle. Merci. Oh là là, ça y est, c'est fini. Aïe, aïe, aïe. Mamie Marie, okay. Sur... Okay. Je vais dire Getting Over It, mais non, mais c'est quasiment pareil. Aïe, aïe, aïe. Grand-mère Marie... Sur le jeu de précision. Oh, pardon, je me mute, je dois faire un commentaire. Oh là!
Ah, mais moi je veux entendre ça. Pitié, ne te mute pas. Mais tu. Ah, mais si, parce que de ton côté, ça n'aura pas de. Mais justement, de ça rend la chose d'autant plus intéressante. Okay, okay. C'est parti. Bien évidemment, nous retrouvons notre Michel à moitié à poil dans le glacier actuellement. Michel qui doit tenter le saut qui peut-être fera gagner plein de points à ceux qui ont cru en Michel et en son talent. Pour ceci, il doit effectuer un balancer, évidemment, un mouvement de balancer comme maîtrise. Il va devoir s'élancer vers l'inconnu, s'élancer vers un saut potentiellement mortel. Merde! Voilà! De rechuter parce que Michel avait finalement encore besoin de se baigner un petit peu. Il avait besoin de ressentir l'air frais, de l'eau surtout. Mais c'est pas grave parce que Michel est persévérant, voyez-vous. Michel, il grimpe, il escalade, voilà. C'est devenu mécanique au point où en est Michel. De grimper toujours plus haut, toujours plus vite. Alors que maintenant, parce qu'il aime vraiment des fois se laisser glisser juste pour s'érafler les mains. Parce que Michel, finalement, il est un peu comme Juno et Marie qui vont sur le jeu. Il aime bien se faire du mal, Michel. Il est comme ça. Ça le rend heureux, ça le détend, voyez-vous. Voyez comme Michel est un homme détendu et calme. Il adore. En fait, finalement, il ne tombe pas parce qu'il tombe et qu'il échoue. Non, il tombe parce qu'il préfère cette partie de la montagne-là. Voilà. Elle est plus agréable pour lui. Michel a ses petites préférences, que voulez-vous, c'est normal, c'est naturel. Hein. Mais voilà que Michel, des fois, ne fait plus d'efforts. Il n'en fait plus. Et il continue de grimper, il va essayer d'aller jusqu'au saut suivant, alors que Michel numéro 2 continue d'essayer d'escalader ce mur d'escalade qui est devant lui. Et ça va bien se passer. Magnifique, mais vraiment. Allez. Si un jour. Tes nombreux métiers ne te plaisent plus, tu pourrais être juste commentatrice de sport. Je ne n'imagine. Mm-hmm. Franchement, mais ça devrait être un objectif, ça, pour quelque chose. Juste, imagine, on nous met genre là un match de foot. On n'y connaît rien. Et là, on est là. Oh, Micheline, là. Ce serait incroyable. Jean-Pierre, il court après la balle, c'est incroyable. Et s'il va faire une passe, je ne sais pas. Mais imagine le stream exceptionnel. Oh, franchement, le commentary de sport, nous sommes nés pour ça. Ok. Le cerceau, ok. C'est parti. Ça va bien se passer. Nous y voici, le round 2 avec le cerceau. Nous revenons à la poutre. Nous revenons. Tu y reviens, tu vas y aller. Elle est à toi, cette poutre. Allez, tu vas la dégommer. Je dégomme la poutre. Je la poutre. Ah non, t'as pas pour la couvertail. Oui, mais c'est ok, t'as maîtrisé maintenant. T'as compris l'équilibre. Bien sûr, totalement. N'est-ce pas? Oh, bordel. En fait, je sais même pas où faut que j'aille depuis ce truc-là, hein, mais... Mais il y a un truc... En fait, il y a un truc... Mais... Est-ce qu'il faut que, quand je glisse, je fasse genre ça parce que là, je glisse comme ça. Et je pense qu'il faut que mon bras, il fasse ça pour attraper l'autre parce qu'il est plus loin. Marie, je cherche une technique. Cherche donc. Je vais l'avoir, ce saut, je te le dis. Franchement. Je vais vers la victoire. Allons vers la victoire. Il n'y a qu'une poutre qui me sépare de la victoire, moi. J'y vais. Hein. Ça tombe bien. Nous y allons. Ah là là. Quelle soirée, quelle tournure de soirée. Qu'est-ce que s'est-il passé pendant cette parenthèse, Marie? Franchement, on s'est emballé, on s'est mis à parler de Difficult Game About Climbing, et au final, c'est nous vrai. Sommes sur Difficult Game About Climbing, mais mes poignets ne me remercient pas. Ah. J'ai mal. Ça va, en vrai. Pourquoi est-ce que j'ai mal directement? Je suis... Non, mais les poignets... C'était... Aïe. Tu sais que je me suis rendu compte récemment aussi en faisant des pompes que... Oui. Enfin, des pompes sur les genoux. Hein. Détendez-vous, j'en suis pas encore là, mais c'est déjà bien. Quand même. Que, en fait, tu sais, quand tu fais une pompe, normalement, t'es censé avoir la main par terre et du coup, toute ta main retient le reste de ton corps. Moi, en fait, je retiens mon corps uniquement avec le poignet. Attendez, je mets sur pause. Genre, vraiment, il y a que cette partie-là de mon poignet qui appuie contre le sol et tout le reste, genre je pourrais soulever du sol, ça ne change rien. Et en fait, les gens utilisent la totalité de leurs mains jusqu'au bout de leurs doigts pour s'appuyer au sol. Et ça, c'est pas possible. Pas possible. Je n'y arrive pas. Attends, à utiliser toute ta... Ouais.
Ah, genre, c'est que ton... Ah oui, non, je sais pas, je m'en rends pas compte. C'est vraiment que le bout de ma main, genre, vraiment le plus loin des doigts que j'utilise pour me tenir. Mais parce que j'ai toujours fait comme ça, et en fait, je me suis rendu compte à un moment que, attends, mais c'était pas logique. Mais j'ai essayé de mettre la force sur la totalité de ma main jusqu'au bout de mes doigts, mais en fait, c'est pas possible. J'y arrive pas pour l'instant. Ce n'est pas logique. Et du coup, mes poignets, je crois que je les ai pétés au fil des années. Après, dans ces cas-là, si tu fais à la force du poignet, il faudrait que tu t'achètes des poignets, justement. Non, mais tu sais, c'est pour te permettre de faire des poignets. Go, je vais m'acheter des poignets. Allez, je vais les remplacer. C'est vrai qu'ils s'en sortent pas bien, là, sur ce jeu. En fait, peut-être faut que je me mette à l'extrême. Non, mais tu sais, ça ressemble à... Bah, c'est des poignées, littéralement, que je mets par terre. Mais du coup, en fait, comme tu les serres comme ça, le mouvement de la pompe se fait poignet droit et pas poignet incliné. Oui, c'est vrai que... Ouais. Comme ça. Ouais. Ça me parle. La Jean-Gilles, il en a de ça. Moi, j'ai commencé à essayer de faire des pompes. Alors, sur les... comme ça, c'est compliqué aussi sur les poings, hein, mais... Voilà. D'où ce que ben, ça, j'arrive. En fait, là, je me suis pris la montagne. Donc, faut pas non plus que je sois trop loin. Ou alors, ça se trouve, faut faire un saut genre. Peut-être faire un saut plutôt. Ça va, ça se passe sur la poutre? Je suis en train de. Non, mais attends, mais en fait, c'est du giga speedrun. Oh non. Ou alors, faut passer par le bas. Non, mais non. Mais non, mais c'est pareil. Mais attends, mais... Bienvenue dans le premier point où tu fais « What the fuck, mais impossible !» Mais c'est pas possible. Non, parce que... Non, mais c'est pas possible. Et en plus, je vais si lentement. What? Ok, moi je commence à choper un peu le mouvement de Michel là. Il se passe quelque chose. C'est pas le moment où je dis ça qu'il faut faire de la merde, Michel. Hein. Je suis pas sûre, mais à mon avis, si je tombe à gauche, c'est le néant de genre je reviens à l'endroit où j'ai passé 3h30. Hein. On est d'accord que je. Donc on va s'éloigner. Loin. Attends. J'ai compris, Marie, j'ai compris. Ah bah pas moi. Oh bordel, pas moi. je crois que c'est le moment. Tu crois que si je siffle, l'encre, elle descend? Attends. Oh Michel. Je peux pas monter à la corde, c'est pas logique. Je peux pas briser la corde là. Je la brise là. Non. Tu fais à ce pauvre clavier! J'ai compris le chat, j'ai compris! J'y vais! Faut juste que je réussisse mon saut et ça va passer! Mais c'est pas possible! Non mais je peux pas y aller en giga speedrun! Y'a pas un truc pour faire balancier? Je peux pas récupérer les chaussures! Non! Attends. Oh non, 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 j'ai voulu... Non, c'est le retour dans la piscine. J'ai voulu rattraper parce que je voulais retourner avec les chaussures. Oh non. Oh non. Attends. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Oh là. Oh, j'ai raté là, j'ai pas raté là, j'ai... Tout va bien. Tout va bien. Marie, respire. Je respire. Marie, respire. Respire. Moi aussi, respire. Moi, je suis au stade où j'ai l'impression que les chaussures vont faire un balancier avec mon corps alors que c'est un homme de 60 kilos et les chaussures doivent faire 500 grammes. Et j'ai voulu revenir sur les chaussures pour vérifier ma théorie et je suis tombée à cause de ça. Oh non! Non, tout se passe définitivement au niveau de la poutre. Oh Marie. Bordel de merde. Ouais, tu pourras pas y échapper. C'est vraiment juste moi-même avec moi-même? Ah oui.
Oh bordel. Ok, on se calme. En fait, le problème là, c'est que maintenant que j'ai compris, j'ai envie de me précipiter. Mais il faut pas que je me précipite. On y va. Elle a glissé. Elle a glissé. Voilà. Putain de merde. C'est fou ça. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, mais non, mais moi aussi, je glisse tout seul. Il n'y a pas de grippe sur ces trucs d'escalade là. Mais c'est parce que j'ai compris le système. Maintenant, je l'ai compris. Du coup, c'est pas grave si on glisse en vrai. C'est pas, c'est pas grave. C'est parce que Michel, il aime bien cette montagne. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais Michel, il va faire un petit effort quand même. Bien sûr. N'est-ce pas? Parce que c'est important pour qu'on progresse tous ensemble, n'est-ce pas, Michel? Alors, on se met bien. Et que du bonheur dans cette parenthèse, évidemment. Toujours la joie, le bonheur. Bien sûr. J'arrive plus au putain de son alors que ça se passe. Ok, ok, on y va doucement, on y va doucement. J'ai si hâte d'être dimanche. Quand on va finir le jeu? Bien sûr. Toutes les deux, ouais. Ouais. Bien ouais. sûr. Bien sûr. Ok. Alors. Non mais... C'est-à-dire que c'est un saut simple. Je fais des grimaces quand j'escalade, c'est terrible. Oh. Tu maîtrises, Marie, tu maîtrises. Bien sûr. Je fais des grimaces quand j'escalade, moi. Je fais quelle tête quand j'escalade? Je lève le menton, genre en mode... Je peux le faire. Je peux... Chat, j'ai l'air débile ou pas? C'est pas moi. Attends, moi j'ai pas du tout... Moi je suis concentrée dans mon truc et à aucun moment où je me dis « Attends, quel est mon visage ?» pendant ce moment. Voilà. Ok, je suis self-conscious maintenant. J'ai compris. Maintenant, il faut juste que je maîtrise. Arrêtez de me regarder, ça me stresse. Arrêtez. Ça suffit. Mais j'ai compris, mais ça m'a marché quand même. Mais je suis close. Alors. Alors. Putain, c'est dur, hein ? Ouais, hein. Je crois que c'est le principe du jeu, hein. C'est pas comme s'il y avait écrit difficile dans le titre en même temps. C'est vrai, difficult game. Est-ce qu'on est un petit peu étonné? Non. Est-ce qu'on pensait que le jeu nous ferait des cadeaux, surtout après avoir passé 3 heures dans la même zone? Bah non. Bah pas du tout. Je suis pas encore arrivé à cette zone. T'arrives dans la zone d'après et le jeu il te dit nique en fait. Oh, j'ai renversé mes chiens. La chute fut si brutale, j'ai viré mon bol de chips, putain. Non. Save the chips. Non. T'as fait tomber ton bol de chips? Sûrement, oh, oui. Terrible. Oh non, non, non. Non, non, non. Oh non, mais j'ai passé la spie ce matin. Oh non. Ok, c'est bon. C'est moi qui ai réceptionné, tout va bien. De toute façon, tu as un chat, tu dois passer la spie tous les jours. Oh bon. Oui. Assez régulièrement. Ok. Après, ça va, mon bureau, c'est de la moquette, en vrai. Donc, les poils, je te vois pas trop. J'avoue, sur la moquette. Tu gères, Marie, tu gères. Ok. C'est parti. Balançons-nous. Je me balance pas vers la même direction que Michel, attendez. Attends. C'est par là, et par là. Voilà, voilà. C'est important de se synchroniser avec Michel. Attends, Michel, il y est plus là. Michel, Michel, ça va pas, là. Attends. On y va ensemble. J'ai bu qu'un verre de vin. Vraiment, juste, j'ai deux de cul. Mais juste, c'est le jeu qui rend fou. Mais non, mais... Ah non, c'est parce que ma caméra est en miroir. Ah, mais oui. Ah, voilà, évidemment, elle est là, l'explication. C'est pas logique. Je me disais, mais attends. C'est ma gauche, ça. Attends. Je me suis foirée. Ok. J'arrive pas à me balancer en même temps que Michel. Michel se balance pas assez loin. Michel, allez, allez. Ok, bon. Allez, on la refait. Michel, je n'y arrive plus. Non, Wilson, je ne t'ai pas appelé. Tu files, Wilson. Tu n'as pas le droit d'être là. Je sais, la parenthèse, elle dure plus longtemps. Promis, je te nourris après.
De toute façon, il faut attendre un petit peu plus longtemps. J'ai eu du mal à décongeler ta nourriture. Je l'ai fait un peu trop tard. J'arrive pas, putain. Attends, attends. Alors. Michel ? Accroche-toi. Michel, on s'accroche, là. Allez, hop, 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 là, ça y est. Pourquoi j'ai pris un screenshot ? Le clavier, il a pas compris hein, ce qui se passait. Mais c'est OK. Tout va bien. Allez, Michel, on y retourne. On y va, doucement, mais sûrement. Et cette fois, ça va être la bonne. Parce que j'y crois. C'est beau. Et qui croit, c'est très important, d'accord ? OK ? On y croit. Attends. On peut refaire ça. On peut refaire ça. On va sur le mât. On peut tout refaire. Non. On peut tout refaire. On peut retourner à la poutre et comme ça, on sait qu'on ne doit pas faire d'aller-retour pour aller chercher des putains de baskets. C'est juste entre moi et la poutre. C'est entre moi, nous et la poutre. Je crois qu'il l'avait. Il l'a touché. Je suis pas sûre, mais... Ah ! Mesdames, messieurs, il l'avait. Il l'avait ! Il a lâché alors qu'il l'avait, Marie ! Oh là là, mais pourquoi ? Mais Michel ! Mais oui ! Il fait pas d'effort aussi ! Je sais pas. Hein. Aïe, aïe. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. Tout va bien. Nous voici. Allez. De nouveau. Sur le mât. Into. Quelle idée, Michel, aussi, de venir là sans avoir de pique à glace, là. C'est fou, ça. Plante tes ongles dans la glace, Michel. Fais un effort. Tu as oublié tout ton matériel. Maintenant, il faut assumer. Dans la vie. Il vient de l'océan et des bains thermaux, tu vois. Donc, il savait pas. Donc, faut pas que je chope les chaussures. C'est vraiment entre moi et la poutre. Bon, c'est un bail de physique-chimie, là. Enfin, de physique, plutôt. Ou juste, je dois faire un espèce de balancier. Avec la poutre, mais comment ? Je peux pas faire des allers-retours. Est-ce que je peux faire un balancier en faisant des gauche-droite ? C'est quelque chose, hein. J'arrive même pas à savoir si elle descend plus d'un côté ou de l'autre. Allez, Michel. On peut le faire, toi et moi. Elle descend beaucoup d'un côté. Planter tes dents dans la glace, ça fait un effort, Michel. Donne de ta personne, putain. Ok. Oh, elle monte beaucoup, là. Elle descend beaucoup. Oh, merde. Oh, merde. Elle est bien, ta strat, là, de balancement. Elle est bien ? Ouais, ce que tu fais, c'est bien. Ah mais attends, mais s'il y a trois niveaux, c'est forcément pour quelque chose. Ok. Voilà, merci Michel. En fait, des fois, je réfléchis trop au timing, alors faut vraiment que j'aille à l'instant. C'est terrible, mais c'est beaucoup plus efficace. En fait, j'essaye de me concentrer sur le timing parce que je suis traumatisée des PTSD, des sauts de quand j'ai passé 3 heures au même endroit, là. Hein. Et que du coup, je me mets la pression de ouf. Je comprends. Alors que les timings, je les ai, tu vois. Bien sûr. C'est juste que je suis traumatisée, Marie. Bien sûr. Oh putain, mais what ? Wouah, non mais frère, c'est un truc de fou. Michel ? Allez, Michel. Allez, Michel ! C'est maintenant, là. Michel fait zéro effort, on est d'accord, hein. Moi, je crois que j'ai compris. Attends, vous savez quoi, faut que je m'entraîne sur cette glace-là, là. Attends. Mode... Si je glisse. Ah, mais en fait... Tu l'as fait le balancier, tu peux quand même rester et refait le balancier tout seul. Hein? Ah ouais? Ouais? Incroyable, GG, la poutre, wow, là. Waouh, t'as assuré. Parce que... Je suis restée au milieu, à un moment elle descendait, machin, tout ça. J'ai speedrun pour arriver à l'ancre, j'ai pas réussi. Mais en fait, la poutre est quand même remontée toute seule, même avec moi dessus.
Mm-hmm. Ouais, t'as eu le bon timing. Bah, nickel, hein. Oh là là. Franchement. Oh my god. Incroyable. Trop forte. Attends. Michel, tu me rends fou, là. On l'a fait, ce saut. On le connaît, hein. Attends. Yun. Marie. Yun. Marie. Jette-toi vers la gauche, Marie. Y'a rien, Yun. Je te jure, jette-toi vers la gauche. Fais-moi confiance. Un. Tu peux le faire. Deux. Oh my god. Oh, c'est bon. Oh, mais c'est tellement... Respire, c'est quelqu'un qui t'a fait peur, hein. Oui, bah oh oui, ça fait peur. T'as dû tellement, mais t'as dû hurler. Ah, mais moi, j'ai hurlé et dis-toi, on a chuté de la poutre, là, tout en bas, dans la piscine, deux fois. Ah, bah moi combien de... Quatre. C'est... Mais ouais, mais c'est terrible, genre, ce feeling. Je crois que je suis même tombée plus haut, ouais. Santé. Terrible. Santé. Comme quoi, si j'avais écouté en cours de physique, j'aurais peut-être réussi avant. Ça doit avoir un nom, ce qu'on a fait avec la poutre. J'en ai aucune idée. Sûrement. Moi, mais c'est pas grave, physique, tu l'as fait. Voilà. Oh bordel. Allez. Sainte mère, qu'est-ce que c'est encore que ça? Aïe, aïe, non. Allez, Michel. Allez, l'ascension, Michel, là. Hop. Ah. Non, Michel, on y va. Non, Michel, on y va. La force cinétique, c'est vrai? C'est sûrement... C'est un bon nom physique, ça me parle. Mais... Encore une fois, 2 de moyenne en physique quand j'étais au lycée. Oh, pardon. Je me suis accrochée à vie de moi! J'étais dessus! Je crois qu'elle était dessus. Y a-t-il une VAR? Je pense qu'elle était dessus, hein. Évidemment. Mais quelle belle parenthèse! Je suis ravie, quelle belle décision d'être allée sur ce jeu. Alors. Oh bordel. Oh my god. Tout va bien. Tout va bien. Non, c'est pas la force cinétique. C'est ce qui tourne. Très bien. Donc notre poutre, ce n'était pas la force cinétique. Ça va tomber, ça. Ça va tomber. Ça va tomber. Évidemment. C'est vert, ça tombe. C'est rouge, ça ne tombe pas. Oh bordel. Sainte mère. Tout va bien. Tu sais ce que c'est du coup, Elena? Si c'est pas la force cinétique? Je sais pas si t'étais là pour la poutre, mais... Yolissir, comment on va? Alors. Je crois qu'on a perdu, you know. Elle est en train... Elle s'est mute pour rager. Hein. C'est terrible. La rage... Oh non, 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 me dis pas qu'il faut sauter. Non, 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 non. Non, non, non. Je suis vraiment à la limite. Oh non, c'est bon. Hop là. Ok, je monte, tout va bien. Tout va bien. Après, il y a des sacs. Ok. Faut se laisser... Non. Non, j'aime pas ça. Je sais plus si je suis mute ou démute pour Yuno, mais c'est pas grave. Parce que je vois non, plus pardon, le Discord. Je suis désolée. Non, mais tout va bien. Non, mais non, mais c'est moi. En mode, je monologue, mais je voulais me mute et j'arrivais pas. Parce que je sais plus. Tout va bien. Mais c'est parce que je suis mort d'ailleurs, parce que vraiment. On me pose des questions dans les chats, genre qu'est-ce que je dois manger, ça ou ça? Je suis en mode, mais j'en sais rien. Je n'en sais rien. S'il vous plaît, prenez des décisions. Tout ce que je sais actuellement, c'est que Michel, il sait pas grimper sa putain de montagne. C'est une façon de voir les choses. C'était pas une bonne idée, ça. C'était pas une très bonne idée, ce que je viens de faire. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je suis arrivée à un endroit avec des sacs, you know.
Il y a deux sacs. Ah, à l'endroit avec les sacs, oui. Elle se souvient. Oui, oui. Je me souviens. Sinon, gazeuse ou au plat, j'en peux plus. Marie, je vais craquer. Mais tu le sais, en plus, quand la commu, ils font exprès de te troll parce que t'es sur un jeu trigger et que forcément, ça peut. Il suffit d'une simple pichenette pour faire basculer quelqu'un dans la folie, n'est-il pas hein? Après. Eh ben, la pichenette, c'est les pâtes ou les nuggets, d'accord. En vrai, ma commu, elle fait pas non plus giga beaucoup ça. Mais là, je suis sûre j'en que. Oh, vas-y, je me fais un test pour ceux qui sont encore réveillés là. Si vous deviez me trigger en une phrase, vous me direz quoi là? J'en ai quelques-unes en tête là. Parce qu'en vrai, non, c'est bon, là je suis pas du tout trigger. Regardez Michel, il va bien là. Il va bien. Hop là. Oh là. J'avais une mission à accomplir, mais je devais réussir ce saut là. Je devais réussir ce saut. Je telle ma destinée, telle la vie évidemment. Évidemment. Oh là 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 là, il y en a. Non, ils s'en sortent. Non. Pardon. Ils s'en sortent bien la cochine. Oh. Non, ça va. Non, c'est pas mal. Non, en vrai, je pense que c'est parce que je fais pas assez de jeux de rage. Ah non, j'avoue, vous en sortez bien. Ah mais là. Là, mon chat est délicieux. Exactement. Là, je lance un live, je vois un chat comme ça, je suis ravie. Pardon, je te coupe dans ton monologue. On râle chacune de notre côté, sauf que moi, non, je n'ai plus ma touche de mute parce que rien ne va. Parce que mon poignet ne répond plus. Vas-y, Marie, vas-y, vas-y. Regarde, tu sais quoi? C'est bon, j'ai crié, je me suis détendue. Maintenant, ça va aller mieux. Finalement, la commune me rend service. Je me demande c'est quoi ce théorème de physique qui fait que le truc, ça fait 3 heures, il bouge encore. Il bouge encore ! Oui, alors celui-là, est-ce que t'as sauté ou est-ce que... Parce que t'es pas obligé de sauter. Hein. Non, celui-là, c'est bon. Je m'étais arrêtée vraiment au sac. Et en fait, je me suis dit, vas-y, le sac de gauche, il sert à rien. Je saute directement au sac de droite. Mauvaise idée. Et en fait, bah oui. Mais c'est pas grave, en vrai. T'es déjà allé au sac, nickel. Hein. Je suis déjà allé au sac. T'es pas loin du prochain checkpoint, en vrai. Je vais y arriver. Je vais y arriver. I can Allez, do it. Je peux le faire. Michel. Okay. On va essayer d'y aller doucement. Non, là, c'était de la merde. C'était de la merde. De la merde. J'ai pas compris. Je comprends pas. Qui va, Michel? C'est pas possible. Marie, je croyais avoir compris la vie. J'ai pas compris la vie. J'avais compris, en fait. Je croyais que j'avais chopé le truc. Mais en fait, finalement, peut-être pas. J'ai un problème peut-être avec ça. Mais... Attends. Non, tout va bien. Mais tu peux le faire. Je te très jure, longtemps il à me s'en balancer va. Comme ça. Ouais, en fait, faut vraiment. T'as deux mouvements de balancer. T'as le balancer pour le machin, et, pour le haut en bas. Et ensuite sur le côté pour justement que l'autre prenne un certain mouvement, tu vois. Non. Ok. On est calme. Attends, faut que je stabilise le truc. Pas bouger. Ok. Faut réussir à désynchroniser les mouvements, ouais, c'est ça, hein, parce que là, j'y arriverai pas. Attends. Je l'avais fait de base, mais... Là, je l'ai. Ah ! Oui ! Tout va bien, sauf pour Michel qui a une tendinite, mais c'est ok. Alors, non, on me dit on va gerber sur le stream de Marie, ça va. Ah merde. Ah, je fais des droites gauche, mais vraiment moi je fixais l'horizon, tout allait bien. Oh là là. Oh bordel. Mais on est d'accord que Michel il s'accroche pas là, genre je. Oh putain, j'ai un problème. Vas-y, attends. Je m'accroche à cette poutre. Vas-y, accroche-toi. Je m'accroche à cette poutre. Et c'est bon, je suis accrochée à cette poutre. J'arrive là, je fais pause et je regarde le gameplay. C'est parti. Que se passe-t-il? Côté Yuno. En fait, attends, je comprends pas. Est-ce qu'il vaut mieux
En fait, non, mais, le... non, mais là, je suis loin. Je suis loin. T'es loin. Le problème, il est que. Mais ouais, mais parce que c'est pas le. En fait, si tu veux, j'ai un... tu vois là où je suis là. Tu vois, il y a de la glace. Et en gros, plus haut, j'ai la même chose. J'ai de la glace, sauf que au début, sauf qu'il y a un caillou, genre. Mais alors, c'est vers la droite, mais là, on s'en fout finalement. L'important, c'est juste la technique. Il faut faire une espèce de ça. Tu vois, pour que Michel se retienne un peu, tu vois. Est-ce qu'il faut que je. Attends, faut peut-être que je serre les poings de Michel à fond. Parce que le problème, c'est qu'il glisse pas assez et ou trop. Tu vois, et quand j'arrive à l'endroit où il y a ce truc de neige, je sais que c'est pas clair, Marie, mais essaye c'est de. C'est pas clair. Tu vois, là, il y avait un rocher. Donc, est-ce que je dois m'accrocher sur le rocher ou est-ce que je dois glisser? Parce que si elle je vais serrer mes mains à fond comme ça, genre. Oh, attendez, regardez. En fait, je crois que je vais trop vite, Marie. Je crois qu'il est là mon problème dans la vie. Je me précipite. Je vais y aller avec douceur. Michel, il va avoir un doigté phénoménal sur la glace, là. Il va le me faire des dingueries. De la glace. De c'est donc ça. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. You know, les sacs. Oui. Pitié. Vas-y. Oui. Alors, les sacs, du coup. Pas aller directement sur le deuxième. Il y a. Ouais. Il y a une balance. C'est-à-dire le premier into le deuxième. En fait, tu dois faire le premier into le deuxième. Tu vois la barre de fer qui est au niveau du mur, c'est ça qu'il faut que tu attrapes. Ouais. Donc il faut vraiment. Moi, je sais que j'ai fait le premier into le deuxième into la barre, mais ça m'a pris un peu de temps. Ouais. Je sais qu'on m'a aussi donné la technique de t'accrocher entre les deux, apparemment. C'est possible de genre, tu mets un bras sur un sac, un bras sur l'autre, et en balançant, tu peux y arriver. Moi, je sais que j'ai pas réussi. Mais on m'a parlé de cette technique-là. Donc okay. Je pense qu'elle est viable. Ok. Mais je sais que moi, personnellement, j'ai fait un sac puis l'autre, et voilà. Mais pas trop non plus. C'est une question de timing, quoi. Tout ce qui concerne ce jeu, finalement. Le timing, bien évidemment. Ok, on va essayer d'enfoncer les deux mains de Michel dans la glace, là. Je tente une nouvelle strat. Donc si je lâche le bras droit à ce moment-là... Marie... Oui. Elle a réussi. Oui. 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 Moi, je suis dans une situation... Je suis dans une situation un petit peu particulière. C'est-à-dire que... Parce que là, si je lâche le sac de gauche... Que se passe-t-il avec le sac de droite? Mais il se relève, c'est ça, c'est donc ça. Attends, testons. Peut-être, ouais. Oh, ah non. Oh putain. Oh là. Oh, putain. J'ai rien fait. C'est ok. En tout cas, Yuno, incroyable, exceptionnel. Quel saut! Quelle femme! Oh écoute, maintenant que j'ai ça, en vrai, c'est ça que j'avais pas compris. J'avais pas compris, Marie. Évidemment. En fait, non. Je me précipitais alors qu'il ne fallait pas. Il faut y aller doucement. Doucement, oui, bien sûr. En fait, je faisais des mouvements rapides sur la glace alors qu'en fait, il faut laisser Michel. Il faut lécher Michel. Oh, c'est devenu trop intime avec Michel avec le temps qu'on a passé. Michel, il m'a fait je sais pas quoi là. Waouh, il est reparti dans ses saltos, bordel. Tout va bien. Ok. Oh, waouh. Bon, allez, on se concentre. Ok. Ok, va falloir que je me concentre, mais va falloir que je me concentre bien, là. Hein. Mais... À quel moment... Est-ce que ça passe? Mais ils vont pas... Non, ils vont pas me demander de sauter. Ah non, je peux peut-être juste... Ça va. Marie, ça va, toi, ça va? Je suis sceptique. Non, mais moi, j'ai cette technique, j'ai essayé, mais ça n'a pas été concluant. C'est-à-dire qu'encore une fois, la physique me manque. Hein. Il me manque un certain niveau de physique, là. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi... Non, 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 mais... Enlevez le chapeau, merci. Qu'est-ce qui s'est-il passé, Marie? Il glisse tout seul, mais c'est ok. J'ai vraiment eu un Vietnam flashback en mode « Bordel, je dois refaire le mur d'escalade, la poutre, le machin, le truc !» Mais non, c'est bon, il y a mal chaque pote.